Dans chaque enfer, il y a un moment où la lumière peut apparaître, où l'espoir peut renaître. Alors peut-être viendront les hommes de bonne volonté. Ils enlèveront leurs chaussures et parcourront la terre pieds nus. Il n'y a ni magie, ni sorcellerie, et encore moins religion. L'univers n'est que vibration, fréquence et énergie. Tout ce qui le parcourt et l'habite parle, échange, au-delà du perceptible, de la raison, au-delà du visible. Il n'y a pas de matière sans conscience, car la conscience précède la matière. Au début était le Verbe. La lumière arrivera et ses hommes seront éclairés. Ils abandonneront les possessions illusoires, la vanité des pouvoirs, l'aveuglement des orgueils. Ils trouveront l'éternité dans chaque instant et de la joie dans l'éphémère. Il faut pour cela juste ouvrir son cœur et son esprit, juste ressentir, s'abandonner à l'autre, animal, fleur, arbre, insecte ou rayon de soleil.